Bonjour à toutes et à tous, vous regardez les tutos Lifetile. Aujourd'hui avec moi j'ai Flobo qui est là, salut Flobo. Salut Guillaume, salut tout le monde. Bon, toujours en forme? Oui, ça va bien. Bon, aujourd'hui Flobo, c'est moi qui vais officier, c'est moi qui vais présenter un petit tuto. Je pars dans l'hypothèse que vous avez peut-être un ordinateur qui a plusieurs écrans, 2-3 écrans. Voire plus si vous êtes chanceux et que vous avez une carte graphique du tonnerre. Mais je pense qu'une configuration à 2 écrans, c'est quand même quelque chose d'assez classique. Et si, comme moi, vous ne voulez pas avoir le même fond d'écran sur chacun de vos 2 écrans, ben, c'est un peu difficile de trouver. C'est pas difficile à faire parce que vous allez voir, le tuto prend en réalité une grosse minute. Mais c'est difficile à trouver parce qu'on avait des paramètres d'affichage qui étaient très bien faits sur Windows 7, Windows 8, qui étaient repris en début de Windows 10. Mais depuis qu'on a le nouveau panneau de configuration, eh bien, Flobo, tout ça, ça a disparu. On ne sait plus comment configurer le fond d'écran de chacun de nos écrans d'ordinateur. D'accord ? Toi, tu as essayé tout à l'heure, avant de commencer ce tuto, et tu n'as pas trouvé. Je suis encore en train d'essayer en arrière-plan, mais je ne trouve toujours pas, en fait. C'est tellement... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ça, c'est... mais peut-être et parce que, voir que c'est d'une j'ai trop l'habitude de l'ancienne méthode. Et oui. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, tout simplement, sur votre ordinateur, vous lancez les paramètres, hop, qui arrivent ici, d'accord, et vous allez tout simplement dans Personnaliser. Ça semble assez évident. Pour l'instant. Eh bien, vous êtes déjà arrivé au bon endroit. C'est ici que tout se passe. Alors là, vous voyez, j'ai plusieurs écrans qui sont là, plusieurs images qui ont été chargées au fur et à mesure. Alors, il faut que vous ayez déjà chargé votre image. Ça, sinon, ça ne fonctionnera pas. Eh bien, si je veux afficher une image sur tel ou tel écran, tout simplement, je vais sur mon image, je fais un clic droit et je mets soit définir pour tous les écrans, et là, je vais définir la même image sur les 2, 3, X écrans que vous avez, ou bien définir pour l'écran 1, ou bien définir tout simplement pour l'écran 2. Vous voyez que c'est une astuce qui est d'une simplicité, mais vraiment enfantine, mais il faut le savoir parce qu'on n'a pas le réflexe d'aller faire un clic droit sur ces images. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis ce tuto dans la liste des tutos Lifetile à faire. Je pense que c'est un truc, ça prend 2 secondes à faire, mais si on ne le sait pas pour le trouver, c'est vraiment très, très difficile. Je pense pas que j'aurais trouvé tout seul. Voilà. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez, vous allez donc sur... Je ne veux pas le faire, ça. Là, paramètres, ça vous affiche le menu des paramètres. Vous allez dans personnalisation. Ici, pardon ? Bien directement, clic droit sur le bureau et personnalisation, je pense. Oui, aussi. Va plus vite. Voilà. Et là, hop, si je veux mettre cette image en écran 1, tac, je la mets en écran 1. Sauf que pour vous, ça n'a pas changé. C'était mon écran 2. Hop, je remets. Et là, je vais mettre cette image en écran 2. Tchac. Et voilà. Oui. Ça marche. Tout simple. Quelque chose de vraiment très, très simple, mais qu'il fallait savoir. Oui, donc, Flobo, ce tuto numéro 3 est terminé. C'est vrai qu'il a été bien plus rapide. Court que le tuto numéro 2. Alors, on ne peut pas faire une différence pire, hein, parce que là, on est passé du monstre au mini-tuto. C'est ça, voilà. Ben, en attendant, vous pouvez regarder les tutos 1 et tuto 2 et vous pouvez nous retrouver sur lifetile.fr pour écouter les podcasts. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à le partager si vous l'avez trouvé utile. Peut-être qu'il pourra aider certains de vos proches. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain tuto. Salut tout le monde et salut Flobo. Salut, à bientôt.